Attends. Bienvenue dans une nouvelle édition de Ma part en tour, cette fois-ci la version française. Donc, ça fait 3 semaines que nous sommes arrivés sur l'île de Lesbos, en Grèce, bien sûr. Et voilà, on a réussi à avoir la chance de travailler au camp de réfugiés qui s'appelle Karatepe. Donc, je pense que, enfin, on est d'accord que c'est un des camps de réfugiés ici le mieux installé, le mieux équipé, où en fait les réfugiés ont pas mal de choses pour se distraire. Ils peuvent faire un peu de sport, toute la nourriture est organisée. Bon, bref, c'est vraiment un camp extraordinaire avec une équipe qui travaille à fond pour avoir des conditions de vie à peu près normales. C'est principalement des familles. Ou des personnes qui ont des problèmes de santé, etc. Donc en fait, c'est vraiment un camp privilégié. On n'a pas eu l'occasion d'aller voir Moria, qui est un autre camp à 2 km, qui est plus une prison. Mais bon, on passera les détails. En tout cas, ce qu'on voudrait dire, c'est qu'on a eu une expérience ici. Je pense qu'un peu comme tout, il y a eu des bons moments, il y a eu des moments plus difficiles. Surtout, enfin, on a eu un manque de ressources dans notre propre organisation qui a généré un peu de frustration, mais on n'a pas réussi. Surtout la manière de faire les choses. On critique pas le fait de pas avoir de ressources. Bien sûr que non, qu'on en tiendrait, ouais, mais la manière de gérer les problèmes que ça a provoqué. Ouais. Donc on partira avec des objectifs qu'on n'a pas réussi à atteindre, mais bon, on a fait quand même pas mal on de choses. On a réussi quand même à faire pas mal de choses, on a connu aussi toute l'organisation ici, et on peut dire vraiment que les gens qui travaillent par contre ici sur le site sont ultra motivés, donc bon. Et ce qu'ils ont besoin en fait, c'est d'un coup de main, et donc en fait on voudrait aussi passer le message que c'est important si vous avez un peu de temps libre, et ça peut être pour n'importe quoi, nous on a installé le wifi ici, mais il y a des gens qui sont en train d'installer des panneaux solaires, il y en a d'autres qui préparent les repas tous les jours, enfin bref, de l'aide, ils en ont besoin sans arrêt, et malheureusement la situation va pas s'améliorer dans les mois voire les années qui viennent, donc de l'aide, ils en auront toujours besoin, donc c'est important qu'on passe ce message de si vous avez du de venir. Voilà. Ouais, voilà. Oui, on peut. Alors, c'est les 3 semaines qu'on a passées ici. Maintenant, notre décision, c'est de principalement de continuer en Turquie, comme on avait prévu déjà. Et même si on va rester encore 3 à 4 jours pour voir l'île, pour voyager en vélo, parce qu'on n'a pas eu le temps. On a fait le même. 6-7 km qui nous séparent de camp tous les jours. Et voilà, et on voulait profiter de la chance d'être ici pour voir l'île. Et après, on prend le ferry et on arrive en Turquie dans 4-5 jours, plus ou moins. Et bon, juste dire tranquille, on va prendre les précautions, on dit, nécessaires, et qui sont dans notre. Dans notre main, non, qu'on peut choisir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on ne va pas. Et les grands états, on va les éviter, bien sûr. Grandes villes. Et voilà, et après, bon, je pense que je dis toujours le même, notre grand ennemi, ça reste les voitures à la route. Et pas souci avec les autres choses, ça c'est l'hasard un peu. Je pense pas que ça va être vraiment un problème. En tout cas, on est connecté tous les jours. Oui. Première chose qu'on va faire, c'est acheter notre carte SIM. Exactement. Blablabla. Donc pour vous donner des nouvelles sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Enfin, voilà. Bref, vous pouvez pas nous manquer. Voilà. Et plus haut. Oui. Bon, je vais juste dire non qu'on va plutôt vers le sud. On va suivre la côte parce qu'on arrive assez au nord et on va suivre la côte. De Aegean, on dirait en français, bon, la juste côte la côte Aegean, ok. Et jusqu'à Antalya, et là il faut commencer à monter pour arriver à la Cappadoce. Et voilà. Et voilà, on verra. Et après, on verra bien. Voilà. D'accord. Donc, à la prochaine. Vous dis à la prochaine pour les prochaines nouvelles de Ma part en tour. Voilà.